Là, je viens d'arriver au golfe de Saint-Gilles-de-Croix-de-Vie. Alors, c'est le golfe de Fontenelle. Donc, vous allez voir, c'est un blue green. Le top tracer. Alors, je vais vous mettre une petite image de cette chose-là, du top tracer. Et vous allez voir, c'est assez. J'espère que ça va être assez amusant, mais dans la vidéo, j'espère que vous faire partager quelque chose de sympa. Jouer comme un pro, j'en suis loin. On va voir ça. Puis donc quand on arrive, on choisit le mode de jeu qu'on veut faire. Donc en ce moment, si on veut faire par exemple le challenge mondial, on clique dessus, démarrer. Il va alors à chaque fois quasiment dans tous les. Modes, il va demander, voilà, c'est la visée. Donc à chaque fois, comme ça, chacun prend aussi, avec ses petits défauts aussi, mais on va prendre la visée à chaque fois. Donc là, si on veut taper tout droit, on va prendre le 150 mètres. Et une fois que c'est validé, après, ben, il n'y a plus qu'à. Si tu fais une bonne perf, par contre, ce sera avec mon compte. Oui, il y a peu de risques. C'est que 9 coups. Tac, c'est parti. Et après, donc après, tout le temps. Maintenant qu'il y a la visée qui est donnée avec le panneau 150, l'idée c'est que tous tes coups, tu vas devoir varier avec. Il t'annonce coup en montée, en descente, un petit peu de vent, bah, pas de vent. Et puis tu dois, par rapport à l'axe de ta cible, aligner la bonne longueur annoncée. Donc la cible, c'est ce qu'il y a là-bas, au bout. Ouais, le d'accord, ok. Je l'ai noir. Moi, pas encore. C'est lui qui a mis sur feuille, c'est pas parfait. Il y a un défi, trou en un sur le Saint-Jean. Là, j'avais la distance, les gars. Ah, et le 150, alors si tu veux, on peut tourner un peu le tapis parce que le tapis pour l'instant il est quand même un petit peu plus à droite que le 150. En tout cas, j'annonce. Ou alors te mettre. Par là, ça va aller, ok. Il est un tout petit peu plus à gauche que le tapis. C'est pas si. C'est la merde du nord là. Ah, la longueur devrait pas être mal. Oui, c'est bien, c'est le stage. Ah, je roule. Ouais, mais tu vas rester dessus. Donc, je vous laisse. Donc là, tu es à 10 mètres du drapeau. Mais l'avantage, c'est que tu es sur le green. Donc aucun point de pénalité. Parce que tu es pré-green, pénalité supplémentaire. Tu es dans le rough, on n'en parle pas. Et bunker, voilà, en gros, c'est mort pour finir top. Donc là, encore. Donc là, tu es sur le trou 2. C'est réellement la configuration du trou 4 en Royal Saint-Georges. D'accord. Donc 72 mètres en montée, avec 0 mètre de montée. Donc 72 mètres à plat. Rien à part un green bosselé. Ok. Ah, je suis encore sur le green. 11 mètres du drapeau, mais sur le green. Bon, alors je suis pas très près du drapeau, par contre, 11 mètres. Ouais, mais je fais des bons potes, vous le savez, les gars. Alors là, là j'aime bien. 130 mètres d'un coup, compliqué, un peu plus compliqué. Ouais. Donc t'es sur le 6 du Royal, et là tu vois drapeau fond de green. Donc sachant qu'à 130 mètres et que ta balle va rouler, va falloir faire light parce que le. Alors déjà t'as les bunkers autour, mais sortir du green, t'es prêt. Hein. Donc. Un mètre de descente en plus. Si j'ai bien vu. Alors, c'est là où moi j'ai un souci de distance. Ah, à droite. Il y a plus de place à droite du drapeau qu'à gauche. Je serais pas sur le green. Eh ben, si, pour l'instant, tu y es. Oh, rien, ouais. Et t'es à 5 mètres du drapeau, même. 5m78, c'est le meilleur. Oh la vache! Nom de Dieu! Eh, c'est pas si mal, hein. Je m'en sors bien. Sur 3 trous, c'est bien. Mais 3 balles sur le green. Déjà, c'est pas mal. 116 mètres en descente. Ah, il fallait faire 130? Ouais, celle d'avant 130. Et là, maintenant 116 avec 3 mètres. Ah, c'est nouveau. Ah, ça, ça fait tout mal, hein. Déjà, c'est droit. J'ai touché le panneau sans. Ah, lui, il le voit pas. Ouais, ouais. Ah non, pré-green, putain de rien. Oh. Donc t'as petite pénalité de 5 points. Mais franchement, ça reste à 32 points total. 8 mètres du trou, bien. Alors il faut être, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut être au moins de points possible. Donc pour l'instant, je m'en sors pas trop mal.
C'est un peu court, je pense. Vu que ça va, c'est très vite. Oh, 2 mètres, 3 mètres 20. Oh, 3 mètres 20 du trou. Solide, 10 points. Eh les gars. Royal. Royal. J'aurais dû faire un parcours en fait ce matin. J'aurais fait un score. Quasi son jumeau. Trou 15. Alors là, c'est pénal. Gros green, 81 mètres sans rien. Je dois pas être trop mal. Je dois pas être trop mal, je suis assez droit. 4m88. Putain, sans déconner. Chaud ma tête. 148 points total. Eh, c'est la chance du débutant, les gars. Non, y'a pas de save. Donc, trou 7. Et plus 3. Hein. Trou 7, t'es sur le 16. Pareil, plutôt petit. Voilà. 138 là. 138. Après, ah, ça chauffe. 138. Qu'est-ce que je prends comme fer? T'as 115 mètres de vol pour arriver au but du livre. Je suis un peu à droite. Ouais. En vol, je suis bien. Ouais, je vais perdre des points là. T'es green pour l'instant, t'es green. Ça va le faire. Toi, t'as 130 mètres. T'es sur le green. Je suis sur le green. 40 points, 12 mètres du drapeau. Regarde. Tu changes rien. Faut que je reste là-dessus. Plus de 2, 123 mètres. Alors, 123 mètres. 123 mètres avec 115 mètres de portée pour l'entrée du green avec pas de bunker devant. Oh là là. Bon, allez, on va essayer. Je vais garder mon petit fer neuf. Hein. Ah, je peux droite. Vas-y. Je suis long, un peu en plus. Eh, je suis long en plus, c'est sûr. Là, je suis long. J'ai pas réfléchi. Voilà, j'ai peur de. T'es sur le fairway, que 10 points de pénalité. Mais celui-là, il fait mal. 70 d'un coup. Oh la vache! J'étais bien. En tout cas, quasi même. Ah, c'est l'avant-dernier, c'est quasi, pour ça. Quasi même. Ah, ben c'est là que ça. Ah, là, c'est dur. 122. C'est celui-là qui aurait pu être plus compliqué en plus. Le dernier. Et là, du coup, j'hésite à changer de club. Je vais prendre mon pitch. Un gros pitch. J'aurais dû prendre le pitch avant sur l'autre. Ah, c'est droit. Je suis droit, mais ça peut faire la balle. C'est droit comme un lit, tu vas arriver. On va dedans. C'est trop loin. À 20 cm du trou en main en passant. Mais par contre, elle roule même jusqu'au fond du green. Ah zut. Elle l'a dépassé. J'ai dépassé le green. Elle l'a dépassé encore. Trop fort avec mon pitch. Mais tu fais autant de points sur les deux derniers trous que sur les 7 premiers. Quoi. C'est ça. Donc, Ah, il n'a pas gardé le coup. Donc, tableau final, là, actuellement, alors, c'est pas mieux, mais ils te disent donc, où t'en es du classement mondial. Alors, quand t'es plus que centième, ils te le précisent pas. Ah, moche. Donc, là, plus que centième. Voilà. Meilleur joueur de chez nous, et toujours, donc, un Anglais qui est premier. Vite. Partout. C'est ça. Donc, ça, après. Donc, là, j'ai fait 339 points. Donc, après, si tu veux, donc, t'as tous les modes. Donc parcours virtuel, tu peux faire ça toute l'année, ça c'est des trucs que tu peux faire toute l'année. T'as tout un choix de parcours, tu choisis St Andrews, Pebble Beach, Torrey Pines, tu fais tout ce que tu veux. Donc ça c'est les jours de pluie, ouais, c'est l'hiver, ça. Il fait moche, il fait froid, mais tu peux quand même te faire un parcours sans payer le green fee. Après, donc pour les Two Brothers, c'est ça. Le concours de drive. Vous avez tout le droit, pense à vous. Hein. T'as la piste d'atterrissage, là faut mettre la plus grosse, hein, tant que t'es sur la piste. Et puis après, alors, le plus compliqué de tous ceux qu'il y a, c'est celui-là. Donc le jeu de cible. Donc là par contre, c'est vrai qu'il vaut mieux maîtriser les effets. Tu vas taper, t'as une cible à atteindre, mais en passant par une cible intermédiaire. Donc genre t'as un coup à 170 mètres à faire, mais en passant peut-être quelque chose comme 10 mètres à gauche et à telle ou telle hauteur. Et si t'arrives à choper la cible et ouais. Finir dans la zone, là c'est bingo. Bonus énorme de points. Donc ça c'est le plus complet, en ce qui me concerne, je trouve que c'est le plus difficile. C'est celui que les gens font le moins aussi évidemment. Mais jeu de cible c'est vraiment, là c'est du vrai golf de cible. Puis après t'as des défis d'approche, concours de précision, principaux ces deux-là. C'est sur des par 3. Alors, t'en as un peu comme tu fais là, une série de par 3. Ouais. Tu calcules le score. Et il y en a autre, t'en as un autre, c'est un trou. T'as un trou et tu l'enchaînes jusqu'à temps de battre ton record à toi, quoi. Trou en un si possible, mais en tout cas, faire le mieux possible. Donc, ça, c'est des trous qui changent un peu. Ça appuie mon entraînement, ça te garde ton historique en plus.
ça te garde ton historique à terme, mais en plus sur chaque balle, etc. Quand tu t'entraînes, là, il va garder ta moyenne. Si tu dis, là, tu tapes, je prends mon fer 7, ouais. Il te garde ta moyenne sur toutes les balles que tu vas taper. C'est moyenne top, de vol, moyenne de tout. Et on devrait tous savoir ça dans nos clubs, là, les gars. Ah, ça changerait un peu le practice. C'est un petit investissement, mais enfin, moi, je trouve que c'est un investissement qui vaut beaucoup. Parce que tu vois, les gens s'amusent plus, quoi. Surtout l'hiver, parce que clairement l'hiver, nous on peut même, après tu peux le faire, faire un petit match à distance. Nous on peut potentiellement faire un petit match contre l'école de golf de Pornic, quoi. Ils sont équipés aussi, tac, tu peux, d'un golf à l'autre, tu peux te challenger comme ça. Alors, ça c'est cool, t'es en condition égale pour tout le monde. Alors je vais juste te dire un truc à la caméra, parce que je viens de me rendre compte en posant mon club sur le côté, je vais prendre un pitch. C'est le 8. Et j'ai pris le fer 8. Donc du coup, forcément, la distance était pas bonne. Les deux derniers, j'aurais dû citer pitch normalement, et j'ai pris le fer 8. Là, le caddie, il est viré, quoi. Je me suis... C'est ça, faut que je vire mon club. Donc du coup, voilà. Et du coup... Ça coûte combien, ça, de venir taper les offres et ça? Alors, sur tous les golf Blue Green, taper un saut de balle, ça coûte, en fait, tu payes un saut à 10 unités. Ouais. Donc ça coûte, selon les golfs, ça peut être pas tout à fait la même chose en plus. Si tu as, pour les golfs équipés d'un top tracer, c'est pas 10 unités, mais c'est 12. Donc en équivalence, tu rajoutes 1 euro, enfin même pas, c'est 50 centimes d'euros, quoi, ouais, pour pouvoir avoir accès à ça. Et l'application, elle est gratuite, donc après, quand t'as l'appli, t'es peinard. Et du coup, les gens, ils ont une carte? Ah, ouais, t'as ta carte, carte de practice. D'accord. Tu valides, et puis d'office, en fait, ça fait partie du truc, quoi. C'est top. Quand c'est comme ça, c'est top. Et vous êtes les seuls en Vendée? Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Les seuls en Vendée. Après, il y a chez Blue Green, il n'y a pas tant de golf que ça. On est 6 ou 7 équipés. Hein. Donc après, il y en a d'autres sur d'autres sites. Mais ça commence à se développer beaucoup. Quand tu regardes en France, maintenant, dans les classements français, tu dis, bon, ça. Donc, ouais, ça se dépuis. C'est le truc ludique, quoi. Au départ, c'était, on voulait faire des barres éphémères, etc. L'idée, c'était de jouer aux practices comme au bowling, quoi. Ouais, c'est tu viens, ça, ouais. Tu peux t'amuser, tu peux boire un coup, tu fais des trucs entre copains. On peut jouer, tous les modes sont jouables, enfin pas tous, mais quasiment. Les trucs sympas, c'est à 4. On peut jouer à 4 et puis chacun son tour, quoi. Donc en gros, tu fais ta partie de golf, chacun avance à son rythme et avec son handicap en plus, quoi. Donc faut qu'on se fasse ça, Pascal ou Nurtou, là, et puis Aurel, faut qu'on se fasse un truc comme ça, un de ces 4, là, tous les 3, parce que du coup, si on peut le faire entre potes, c'est top, quoi. Petit compte rendu du top race range, c'est juste excellent. Bah, j'en veux un au practice là maintenant. Donc Maxime, faut que t'en mettes un à la bosse. Hein, ça serait vraiment bien. C'est top, ça fonctionne avec deux caméras qui prennent tous les coups. C'est vraiment juste hallucinant les sensations qu'on peut avoir. On fait pas du practice comme on fait du practice d'habitude. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on travaille différemment. On va vraiment se mettre à travailler différemment en fonction de ce qu'on voit sur l'écran. Donc là ce matin, je suis un peu désolé, on a le soleil en contre-jour, machin, donc on va pas forcément tout voir au niveau de l'écran. Mais je vais essayer de récupérer les photos d'écran avec Damien, donc un des pros du Blue Green, là où je suis actuellement aujourd'hui. C'est vraiment juste excellent. Mes sensations, elles sont super bonnes. Bon, je me suis trompé sur mon dernier fer, mes deux derniers coups. J'ai pris le fer 8 au lieu de prendre le pitch, c'est de ma faute. Voilà, j'ai pas réfléchi, sinon j'aurais été pas mal au niveau du score, et encore je suis pas si mal que ça, donc je suis assez content. Voilà, après c'est bien, ça corrige plein de choses peut-être aussi, ça nous permet de travailler, donc à essayer d'urgence. Et ce qu'on disait aussi, ce qui est super intéressant, c'est que l'hiver par exemple, c'est que si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir aller sur le parcours quoi que ce soit, ça c'est un bon outil pour travailler aussi. On peut prendre des parcours directement sur le top range, et du coup top tracer range, et là c'est vraiment top. Franchement, moi j'ai hâte d'essayer ce genre de choses, ce genre d'outils l'hiver. Ça c'est une des premières choses. Et deuxième chose, quand on a envie de jouer avec ses potes, faire un truc, voilà, venir jouer même avec des gens qui connaissent pas forcément le golf, avec qui on a envie de les initier un petit peu, et ben c'est une bonne solution aussi. Plutôt que d'aller sur un parcours, de les faire aller sur un parcours et de dire, ah bah tiens, viens essayer le parcours, ça peut être sympa. Et puis ils peuvent vite se décourager parce que du coup il n'y a pas le même défi sur le parcours. Là au moins, vous venez, c'est cool, quoi. Après, vous pouvez aller boire un coup au bar du golf. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs sympas à faire ensemble, en groupe. Je pense que ça s'organise facilement, ça coûte pas très cher. Encore une fois, on a parlé du prix tout à l'heure. C'est un saut de practice dans les Blue Green, c'est 10 unités. Et là, on est à 12. Franchement, c'est juste top, quoi. Voilà. Donc, venez essayer, venez adopter ce genre de practice. Le top tracer range, voilà, c'est à essayer et à adopter. Enfin, moi, je l'adopte en tout cas. Si je peux en avoir un où je vais jouer maintenant, ça serait top. Franchement, pour m'entraîner, c'est top.